Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes jeudi matin. Il est 8h. Je ne sais plus quelle heure. Ma fille, c'est rare. Elle dort ici, donc forcément, ça veut dire viennoiserie. Je vais aller à la boulangerie. Je vais peut-être ouvrir quand même les volets parce que c'est un peu tristoun. Donc, je vous reprends juste après. Je sens qu'il va faire beau. Alors, oui, attendez. Hier, le retour de quoi, à votre avis? De la migraine. Bon, j'imagine que c'est comme c'est le début. Ça fait 5 fois que je reprends. C'est en train de se mettre en place, mais alors ça m'a couché toute la journée. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je me vois, je vois les gens qui sont masqués. J'ai oublié, donc j'y retourne. C'est une blague? C'est pas vrai, il a anticipé. Comment? Qu'est-ce que tu fais dehors? Bah et toi, qu'est-ce que tu fais dehors? Bah j'allais y aller. Je t'ai entendu, tu m'as pas entendu me préparer? Bah non, sinon je t'aurais attendu. Mais moi je pensais que t'es... Mais non. J'aurais préféré qu'il aille avec moi. J'ai pris des trucs pour celui-là aussi. Ah, t'as bien fait. Oui, parce qu'il est descendu avant moi, j'avais entendu, mais j'ai pas été dans son bureau pour vérifier qu'il était parti. T'as pris quoi, en fait? J'espère qu'il y a des bons chocolats. J'ai pris des trucs. Ça, c'est pour ce midi. C'est quoi? Des petits sandwichs, je pense. Et nous avons deux pains au chocolat et deux croissants, c'est ça? Non, trois. Trois pains au chocolat. On les vérifie. Trois pains au chocolat, deux croissants. Ah bon? Ouais. Pourquoi il n'y en a pas trop? Bah je sais pas, soit c'est trompé, soit tu l'as mal... Mais, hey bébé, t'as pris du pain, c'est excellent. Oui, mais... Bébé chat était malade, il a vomi devant mon bureau. Que s'est-il passé? T'as encore mangé un truc qu'il fallait pas dans une poubelle, un truc comme ça? Voilà, voilà, voilà. Café. Alors, bah aujourd'hui c'est rangement, ménage, après tournage. Une story time. Il y a des gens, je pense, de la ville qui sont en train de couper les mauvaises herbes. Ah, vous entendez? Bon, moi aussi, je vais faire du bruit. Hein. Voilà, allez, c'est parti! À qui tu parles? Bah, moi, puisque personne ne me parle. Ah bon? Je me dis qu'un. Au moins. Tu finis jamais tes phrases sinon? Non. Bah, c'est le drive, oui. Va chercher le drive. Moi, je vais tourner. Voilà, je me suis changée. C'est blanc. Il y a eu du gros ménage de fait. J'installe tout et c'est parti. Je t'aiderai au retour pour les cours. Ouais, je t'aide au retour, tu me dis. Oui, ça m'intéresse. Ouais. À toutes. J'ai rajouté ça derrière. Je vais attendre. Je vais attendre qu'il revienne. Comme ça, je ferai les courses avec lui. Enfin, je ferai les courses. Je vais ranger en même temps que lui. Je serai tranquille. Et je pense que je vais même manger. Là, j'ai fait juste les réglages. Il est midi et demi. La vidéo doit être en ligne à 18h. Donc, ça va être dans le speed. Ah, j'aime bien ce petit cadrage. J'aurais bien rajouté un chapeau. J'arrive. Ah. Oui. Bonjour. Bonjour, c'est la livraison? Oui, c'est la livraison. Oh, bah je vous attends. Tiens. Ah, c'est pas terminé? C'est ça, et c'est fini là. Ok, super. Allez, donc je déballe tout ça, rapido. C'est là qu'on voit que ça évolue. Avant, c'était là-bas dans le sas de décontamination. Ça prenait trois plombes, tout là. Ouais, non. Je vais fermer la fenêtre. Allez, oui, donc je disais... Ça, c'est pour faire du lait de coco, une petite recette. Ensuite, nous avons ces petites frites allumettes au four. Bon, bah voilà, hein, un craquage. Pour te donner bonne conscience, c'est pas de la crème glacée, ça aurait du sorbet citron, framboise, ça a l'air bon. Voilà. Eric, c'est ça. Ah, ah, mais attends, on a pris deux paquets, normalement. Non. Bah si, j'avais dit, c'est vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. C'est les fameuses patates grenailles que je coupe avec le chabrou. Bah, je t'avais dit deux, mais ça se trouve, on n'a pas bien. Bon, allez, chabrou. Ça sera pour faire avec le lait de coco. J'ai choisi ceux-là. Hein. Et dis donc, t'as pas tes yaourts, toi? T'as pas commandé des yaourts pour toi? Non. Pourquoi? Mais, ah, bah, tu prendras les miens. Tu t'es pris un petit ortolan. J'aime bien le fromage. Et j'aime bien goûter du fromage que j'aime bien. D'accord. Mes bananes, hein, la base. Qu'est-ce que j'aime ça, les bananes? Et puis, des pommes, des packs d'eau, du lait, du coca light. J'étais persuadée d'avoir pris deux paquets. Non, il n'y en a qu'un. Bah écoute,
pas grave. Donc c'est nous qui avons fait l'erreur. C'est nous. Hop, 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 hop. Ça me va. Bon, je vais manger, moi. Ce sera fait. Je me débarrasse. Donc les courses, c'est fait. Manger, je vais le faire. Et après, je tourne. Si ça intéresse quelqu'un, je vais manger. Ok. Eh ben, j'avais pas... Oh, cocotte qui sonne, c'est pour le médoc. Oui, je disais, je fais le four. J'avais pas vu, c'est des choses à chauffer. Mm-hmm. Par contre, je sais pas ce qu'il y a dedans. 13h54, Jack encore venu. Salut. Alors, l'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a pas mal d'années. J'étais ado. Mais ça a été un tel choc, un tel traumatisme pour moi. J'ai été complètement aspirée. Et j'entends que ça crie. Forcément, je subis la chose. Et qu'est-ce que je vois? Je vois. Il est 4h. J'ai quasiment terminé. Je sais pas si elle sera à l'heure. Alors là, c'est un bébé sale et malade. Non, mais je rigole. Mais en fait, j'aime pas. Moi, ça m'inquiète. Faudrait pas que ça recommence, quoi. Parce que faut voir les oreilles. Ah, il faut toucher les oreilles. Si elles sont chaudes, c'est qu'il a de la fièvre. Eric est monté. Il m'a dit, on marche aujourd'hui. Je lui ai fait, ouais, sauf s'il y a de l'orage. Vous croyez, si vous voulez. Il y a de l'orage il y a 10 minutes et là, il pleut. Donc, c'est chiant. Avouez que c'est chiant quand même de marcher quand il pleut comme ça. Alors, vous l'aurez compris, on va aller marcher. J'attends que ma vidéo upload. Très honnêtement, en vous la tournant, j'en ai parlé sur Insta, donc en me remémorant tout ce qui s'était passé, parce que ça remonte quand même, je parle de la storytime, hein. Voilà, qu'on soit d'accord, et ben ça m'a remué. C'est là que je me dis que finalement, c'était pas anodin et que ça explique peut-être pourquoi aujourd'hui j'ai encore. J'ai tellement peur de tout parce qu'il faut quand même savoir qu'au début, ça j'en parle pas dans la vidéo, je voulais, enfin au début, quand j'étais en 6e, 5e, tout, tu sais, tu marques toujours, bon, même si je voulais être au début chanteuse, comédienne, ça, hôtesse de l'air. Et j'avais aucun problème avec ça, c'était même plutôt un kiff de prendre l'avion et tout, c'est vraiment suite à ça quoi. Et puis c'est vrai que j'ai commencé à avoir plein d'angoisse, de. Je sais pas, c'est possible. Bref, je vous raconte ma vie, il y a un rayon de soleil donc je ne vais pas y échapper. On va aller marcher. C'est quoi ce look? C'est le look du gars qui va pleuvoir. Il va pleuvoir. Ouais. Et on est bon de mettre ça de pull, ça va? Allez, on est parti. C'est collection été. J'ai jamais mis, mais 60% de probabilité qu'il pleuve. Je le sens pas du tout. Oh putain. Eh, c'est les tuches! Bonjour à tous! Il pleut! On continue quand même? Ben oui, parce qu'on est équipé. Ouais, on est équipé, mais enfin bon. Oui. C'est vrai que ça me va bien. Eric me dit, oh, ça te va très bien. Mais, Autain. Ici, ça me va très bien. Par contre, il pue parce qu'on vient de l'ouvrir, je ne l'avais jamais utilisé. Il sent le plastique, quoi, mais. Comment? Ah! Parce qu'on se voit à 2 km. J'avoue. Donc là, bah, on est dans les descentes marches. C'est la phase cool. Ouais, la descente. Le descente, la phase cool. Oh, il n'y a personne, tu m'étonnes. Tu vas pouvoir. Ouais, ça sent la pluie. Regardez, on le sent qu'il va se passer des trucs. Ça sombrit alors qu'il est quoi? Il est 6h. C'est pas normal. L'eau aussi, elle frétille. Les canards, n'en parlons pas. Et lui, pouf. Bon, on s'est pris la flotte. Toute la première moitié pendant 25 minutes. Vous l'entendez, je vais. Et c'était le plus beau moment. On n'a jamais fait de marche portier aussi belle. Marcher sous la pluie comme ça, ça faisait un rideau et tu voyais tout. T'as les odeurs, c'était trop bien. Et après dur, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas remarché. Ouais, donc marcher sous la pluie quand t'es bien équipé comme on l'était. Quoique mes chaussures, elles ont pris l'eau. Hein. En même temps, je les avais achetées chez Decathlon pas cher. Tu veux boire quoi? Hein? C'est quoi? Smoothie? Oui. Ok, alors moi je me fais flotte. Ça a été vachement mieux que je pensais. Les 200 marches. Ouais. J'ai pas que j'ai grimpé bien, c'est pas ça. Mais j'ai grimpé comme en vol avant. Là, j'ai essayé de grimper sans m'arrêter. Et sur les roues, je fais pas spécialement. Mal. Ah, moi, j'avoue que là, j'ai eu. J'ai fait mal, mais pas plus que ça. Du coup, j'étais limite lucide, quoi. Ouais. Oh putain, je me suis pris tout le. La vaisselle, la baie. Attends, je te mets toi en truc. Hein. Alors, les grenailles frites, comme on est trois. Avec des aiguillettes et du charbon. Et 9h30, c'était très très bon encore une fois. Et on se regarde la vidéo et c'est l'heure de la glace. Moi ça va être ça.
Et lui. Et bah nous, on regarde Carnival Row. Je vous avais dit que c'était sur Netflix, mais non, c'est sur Amazon Prime. Et c'est de l'heroic fantasy, enquête, c'est entre Sherlock Holmes, entre... comment c'est? Celui qui tuait les prostituées, là. Jacques l'Éventreur, enfin, hyper bien fait. Je vais terminer ce petit vlog comme je l'ai ouvert. Et... bah vous dire très certainement à demain pour un nouveau vlog. Je vous embrasse très fort. Et vous l'avez vu? Moi aussi, je vais aller boire. Allez, on va aller boire. À demain.